Visible from your look, will you find me soon? Trapped in the darkness, lost in the night, so far away, out of sight. Le jour se lève, ouais. Tout doucement. Ouais, c'est trop bien. Regarde comme c'est joli. C'est la première fois que je fais ça, j'adore. Ouais. Mais pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il est à l'abandon, ce manoir ? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il a été abandonné ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Dans cette pièce ? Pourquoi il n'est pas resté ? Il y avait des gens. Il y avait des gens. Il y a quelques années, il y avait des gens. Oh là là, ça me donne des frissons. Mais vous êtes nombreux ici, hein ? Arriver, de venir à nous et de nous faire un petit signe. C'est la cave. Bonjour. On se permet de rentrer chez vous, hein. Vous devez être bien triste de voir une maison dans cet état. Kitsch, t'as vu comment c'est grand. La cave. Un lapin. Allez, viens. C'est gorgé de fuite. Thank you.
recevoir dans cette maison. Tout d'abord, bonjour, je ne me suis pas présentée. Moi, je m'appelle Olivia. Je sens ce monde. Je me sens déjà, tu vois, je sens lourd. Tu sens pas lourd, confiance. Ça me... Ah, ça me bloque. Ouais, au niveau de la respiration. Bizarre ça. Dans la poussière, il y a des sous, il n'y avait pas pour laisser des poubelles quoi. Il va se passer loin. Oh là là. Là j'ai pas, je sais pas si ma vidéo aura un peu de résultat. Mais... N'hésitez pas à nous faire des signes si vous êtes là et que vous m'entendez nous entendre. Si vous êtes là et que vous m'entendez nous. Si vous êtes là et que vous m'entendez nous. Déjà sur le balcon. C'est ça la grande salle. On va retourner ma soeur. Quoi ? On va aller voir comment ma soeur. Non, sérieux, attends. Les gens. Mais c'est pas vrai. C'est désolant. Elle était pas comme ça, quoi. C'est... Mais pourquoi laisser ça comme ça? Mais c'est pas possible. Regarde ça, l'état du plafond. Mais quel dommage. Est-ce que c'est vous qui avez fait partir l'ancien propriétaire? C'est vraiment un mauvais état. Ouais, grave. Ça devait être une salle de bain parce qu'il y a les toilettes. Ça fait mal au cœur. Oh. Je te jure, ça... tout ce bois là, c'est le bois du Mexique que je disais. Ouais. Ah, ça n'a vraiment pas mal au total. J'ai vraiment pas assez d'éclairage. Ça rend rien. Est-ce que vous faisiez des grandes. Des grandes réunions là, dans cette salle. Des réunions de bal ou je sais pas. Vous vous retrouvez là dans le jeu à plusieurs. Chauve-souris. Chauve-souris. Ouais, attention. Le bruit et tout. Mais du coup, on est comment là? Putain, elle est commune, mais c'est plutôt que ta mère, on ne peut pas passer. Quoi. Mais je pensais pas que le téléphone. Ah bah non, mais il a été cassé, ça m'a pas donné depuis. C'est pas possible. Regarde ça. Il est là. Attends, dis-moi pas qu'on peut pas y accéder quand même. Mais c'est quoi tout ce merdier? Attends. Gavage, s'il vous plaît. Gavage! Putain. Gavage! Est-ce qu'on va attendre le lever du jour? Le meilleur gavage. Oh, mais non!
pas passer devant mon appareil photo. S'il y a quelqu'un, ça éclate les yeux. Hein? Ça va pas? Dans ce manoir. Est-ce que vous pouvez nous faire un signe déjà ? Faites un bruit. On va monter, on va à l'étage, comme ça on aura une vue d'ensemble. C'est marrant parce que là, c'est pas cassé. C'est complètement autre chose là. Qu'est-ce que c'est? C'est une porte qui donne sur un mur. Mais pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il est à l'abandon ce manoir? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il a été abandonné? Est-ce que vous êtes encore avec nous? Vous pouvez faire du bruit comme tout à l'heure? Je t'assure, tout à l'heure, j'ai entendu marcher. Qu'on était à la cave, ouais. Dans la bâtisse. Détail, et encore c'est cassé quoi. C'est joli ici. Ah,
Ah, j'aime bien ici, moi. Pièces, on est bien. Pièces. Ouh, là, ça devait lire des bouquins. Mmh. Là, ça se posait pour lire, peut-être. Dommage, ça. Franchement. Faut savoir qu'il y a un couloir aérien aussi au-dessus. Donc, Et le jour se lève. Ouais. Tout doucement. Ouais. Quelqu'un ici, dans cette pièce. Vous êtes capable de faire du bruit ? Est-ce que vous pouvez passer devant la caméra ? D'être dans la même pièce. Viens voir là, regarde comme c'est fou. Alors déjà, t'as vu comment t'as mis les parties? Je me suis mis perdue. Regarde, c'est le même. Ah oui. Il n'y a pas de quoi tomber marteau? Bah oui. Et puis après, c'est la salle de bain. Hein. Avec la baignoire. Bah oui. C'est un hôtel ici ou quoi? Ah, il y a la baignoire. Bah oui, c'est comme en bas en fait. Une baignoire aussi, comme ça. Mais normalement, il y a une pièce où la baignoire, elle est carrément presque collée sur la fenêtre. La fenêtre. Et les gens se baignaient et... Regarde ça. Les colombes. Mais regardez-moi, les tables, c'est horrible. Jusqu'à péter les portes, mais quel est l'intérêt? Ouais, ils sont bien plus avancés maintenant. Mais regarde-moi ça, la pomme, ça tombe. Ça tombe en décrépitude. Regarde ça. N'hésitez pas à passer devant nos appareils ou à nous laisser un message si vous êtes là. On n'a pas été jusqu'en haut. On peut prendre celui-là. C'est bizarre, hein? C'est quoi ici? C'est bas de plafond en plus. Putain, ça fait un peu. Oh, t'as vu? Ah, mais oui, il y avait ça aussi. C'est vrai. C'est chouette, non? Je vais faire une photo. Hein, ici, c'est. C'est glauque, hein? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous aimeriez nous parler? On a une radio avec nous. Et ça nous permettrait de vous entendre. Est-ce que ça vous intéresse? N'hésitez pas à passer devant mon appareil. N'hésitez pas à laisser un message si vous m'entendez, que vous êtes à côté de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous?
Et je n'aime plus fort. Oui. Oui, madame, je vous ai entendu. Bonjour, madame. On vous prend tôt, un peu au réveil, hein. C'est la radio. Est-ce que vous avez un message pour nous? Qui est encore dans cette maison, dans ce manoir? Là, on n'a aucune énergie à vous donner, excusez-moi. Ouais, là, excusez-moi, on est vraiment dans un sale état, même. Mmh. Je ne suis pas bien, j'ai envie de vomir. Vous sentez qu'on n'est pas bien? Je vous ai entendu. C'est vous qui faites ce bruit? Est-ce qu'il y a un endroit où vous aimeriez qu'on aille en particulier dans ce manoir? Est-ce que vous avez habité ce manoir? C'est vrai que l'état a bien changé. Hein. Pardon? Aïe. Aïe. Hello? Pardon? Aïe. Aïe. Hello? What's your name? Oh, ça c'est la radio. Hein? C'est la radio, il y a beaucoup de radio là. Bah, alors, faut dire, on est en l'air là. Pour recapter, c'est parfait. Putain, c'est non, mais par contre, il y a eu la voix de la femme encore qui a parlé, que t'as entendu. Hein. Aux gens pour qu'ils évitent de rentrer. Ah. Toujours la même dame. J'espère qu'on l'entend. Je le sens. Quel est votre prénom, madame? Dès que je me
sort, j'ai l'impression de capter les ondes, les radios. C'est quoi votre prénom? Putain. C'est magnifique. T'as vu, hein? C'est vous qui parliez en même temps, en fait? Vous êtes nombreux ici ou bien? Vous êtes nombreux ici? Pardon? Je vous entends. Je vous entends très loin. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher pour qu'on vous entende mieux? C'est très très loin de chez nous. C'est trop loin, on a fait 6. Pardon ? Vous êtes nombreux, hein, mais vous parlez loin. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort ? Est-ce que vous pouvez nous donner un prénom qui pourrait être en lien avec ce manoir ? Pardon ? Alphonse ? Ça a crié, là ? Ouais. Ça a crié, ouais. Ça a crié un prénom, mais je sais pas quel. On vous a entendu crier, monsieur ? Vous êtes pas bien? Si? J'ai compris si aussi, ouais. Si, vous êtes bien alors. Vous savez que normalement une âme n'est pas faite pour rester bloquée ici. Vous savez ça? Est-ce que vous arrivez à la protéger, cette maison? Ça n'a pas l'air bien. Oui, monsieur, vous m'avez dit? Le soir? Qu'est-ce qui se passe le soir? Bah oui, le soir, les gens viennent vous traîner. N'hésitez pas, monsieur, à nous raconter l'histoire d'ici. Je vous entends mal. Comment ça se fait que vous êtes si loin? Il y a carrément les voleurs? Mais ça, on a vu qu'il y avait des voleurs, hein. Parce que ça a tout été pillé ici. Toujours la même voix. Ouais, toujours la même voix d'homme. C'est quoi votre prénom, monsieur? Encore répondu, hein. Vous avez été propriétaire d'ici?
quelques voitures. Ouais. Vous avez été propriétaire ici ? Est-ce que vous pouvez, monsieur, nous expliquer pourquoi monsieur il est parti ? Pourquoi il n'est même pas resté plus de trois ans ici ? Il avait fait des travaux quand même. Pourquoi il n'est pas resté ? Il y avait des gens. Il y avait des gens. Il y a quelques années, il y avait des gens. Voilà. Il y avait des gens. Il y avait des gens. Il y a quelques années, il y avait des gens. Il y avait des gens. Il y avait des gens. Il y a quelques années, il y avait des gens. Oh là là, ça me donne des frissons. Mais vous êtes nombreux ici, hein. Ouais, il y a encore une autre femme qui a parlé loin, avec une toute petite voix. Vous entendez, madame ? Pardon, monsieur ? Oh, mais lui, il n'arrête pas de parler, c'est un bavard. N'hésitez pas, là, sur le coup, on comprend rien, mais quand on va rentrer, on va écouter ce que vous nous avez laissé comme message. Vous savez, on est en train de filmer, j'espère que vous êtes d'accord. Pour qu'on filme. Et ça, ça va paraître comme à la télé. Ça vous dérange ? Vous êtes d'accord ou pas ? Elle a plus rien. J'ai pas bougé là. La police ? La police ? Vous voulez qu'on parte sinon vous appelez la police ? La police ? La police ? Vous voulez qu'on parte sinon vous appelez la police ? Je déconne ? Je déconne. Pardon, monsieur ? C'est moi ou j'entends du bruit ? Moi, madame, j'aimerais bien que vous me disiez pourquoi monsieur est parti. Pourquoi monsieur n'est pas resté ? Vous avez été long pour arriver ici, hein, j'ai l'impression. Combien vous étiez ? Il y a eu combien de passages ici ? Du matériel quand on est mort.
J'aime bien cette pièce ici. Ouais. Puis, t'as vu, la tapisserie, elle est belle quand même. Ça devait être beau que t'as laissé en bleu comme ça. Hein? J'ai pas vu ce morceau. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette salle? Prenez le thé. C'est très, ouais, victorien. Hein. C'est très, on se parlait. Ben, on se parlait en Angleterre. En Angleterre. Sur un Walking Chair. Ouais, c'est tout là. Oui. Ah, j'ai cru que j'avais pas compris. Oui. Qu'est-ce que vous avez crié là? Mais combien vous, moi j'aimerais savoir combien vous êtes. Vous êtes 3, 4? Pardon? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous sentir bien? C'est le sauna ici. Presque. Plus près. Plus près. Vous m'entendez? On vous entend, oui, monsieur. Vous m'entendez? Alors, je me suis trompée, j'avais l'impression de sentir la présence d'une femme ici. C'est une cheminée, ça? Ouais. Mais c'était quoi? Pardon? Monsieur, il a pas une voix très catholique. T'as entendu? Vous faites quoi? Eh ben, en fait, on visite. Ça, j'ai entendu ça. Dormir? Dormir, il faut dormir ou leur maison, j'ai compris. Non? Oui, il faut qu'on dorme, ça c'est sûr. Nous, oui. C'était pas ça que vous avez voulu dire? Est-ce qu'on a le droit d'en savoir plus sur l'histoire de ce manoir? Il y a des skins qui viennent ici aussi. Parce que Légion 88, c'est un groupe de musique skinhead. Super. Donc, bien quoi. Super. Entre les racailles et les skinheads, vous êtes servis quoi. Vous avez pas l'air, hein.
encore du beau gâchis, quoi. Est-ce que là, vous dansiez là? Faire des réceptions. Bon ben, on va y aller. On va repasser tout à l'heure. Mais rapidement. Coucou la sorcière. Hello la sorcière. Regarde un peu sorcière comme c'est bon. Quoi? Regarde un peu sorcière. Et le voilà, ce magnifique manoir. Manoir au colimaçon. Rien pris. Donc l'enquête, on l'a effectuée ce matin, pour changer. À 5h, ou à 5h30, on a commencé l'enquête. Donc on a vraiment des têtes de fatigués. On se cache avec les lunettes, désolé. Hein. Mais là, il y a besoin. On a fait l'enquête, ouais, on a commencé l'enquête à 5h30 ce matin. Et on a laissé le jour venir tout doucement. Et donc, on va faire une petite visite de jour. Comme promis. Hop. On n'a pas pu la faire... hier soir, parce que vers 22h, je sais plus quelle heure il était, ouais, 21h, 22h, le lieu était pris par des gens. Donc, bah, vous salut vous Albert. Vous découvrirez l'intérieur avec l'enquête. Alors, il est pas beau le manoir ? Ouais, c'était pas mal, hein, c'est une expérience du matin. Je sens qu'il y en a... Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Toutes des petites mosaïques. Regardez ça aussi, là. C'est triste hein, de voir ça. Vraiment, cette nuit là qu'on est allé à 5h du matin, parce qu'en fait, il faut quand même savoir qu'on a découvert le lieu en pleine nuit. Hein, d'habitude, on fait un repérage de jour. Bah, oui, c'est plus intelligent, ouais, mais là, on est arrivé vraiment de nuit, on a découvert et on a vu tout ça. Mais pire que ce qu'on voit dans les photos d'Urbex. Ouais, pire et en pire. Fait, on se dit que oui, c'est vrai que faut vraiment pas filer les adresses. Les gens, je vous le redis et vous le re-redis, plus vous filez les adresses, parce que vous croyez faire plaisir à quelqu'un que vous connaissez, mais quelqu'un que vous connaissez, s'il le file à 10 personnes, et sur 10 personnes, c'est pas toutes les personnes bien intentionnées, quoi. Donc du coup, faut se méfier, parce que voilà ce que ça... Voilà bonjour ça Magali, et bonjour Davina. Donc on va rentrer par là. Regardez-moi tous ces gravats, quoi. C'est écœurant. Pareil, la salle de réception dans un piteux état. Enfin, surtout la. Regardez-moi ça. Bonjour Bernard. Ouais. Mais, pff, ah, merde, j'ai pas de lumière. Je sais pas si vous allez bien voir le
l'escalier en colimaçon, si. Après, attendez, je vais monter un peu. Oh là là, l'éclairage, j'ai pas vu tout le monde. Ouais, et sauf que bah, là, vous allez peut-être mal le voir parce que j'ai pas de lumière. Il y a combien de pièces ? Il y en a 20, de répertorié, il y en a 25. 25 pièces. Bon, par contre, ce qui est assez hallucinant, c'est que chaque étage se ressemble. Ouais. C'est fait, on dirait, comme un hôtel. C'est pas un hôtel du tout. Voilà la vue. Après, il y a le soleil en face. On a fait une séance de Spirit Box, comme d'habitude, et ça c'est à retravailler, à reanalyser. On a plein de résultats. On a, ouais. On a toujours la même voix de femme. On a entendu des pas marcher. Des pas, ouais. Donc tout ça, ça sera analysé de toute façon. Regardez-moi ça, les belles fenêtres là aussi. Ouais, ça c'est beau. Ça, c'est magnifique. C'est néo-gothique. Là, ça claque, ouais, mais il y a du vent. Ça en pleine nuit, je pense que il y a moyen de flipper. Nous, ça n'a pas plu parce qu'on n'avait pas calme pour ça. Non, c'était calme. Et franchement, le parquet aussi, l'état du parquet. Ça, c'était, moi, je suis sûre que c'était pour le volet. Bonjour, ça, Sophie. Ils comptaient pour le volet. Enfin, ils comptaient le volet et en fait, ils se sont rendus compte que ça ne sert à rien. Impressionnant quand même les dégâts. Bah, bon résultat. Ça, c'est pareil, on verra sur. On va voir quand on va faire les analyses. C'était plutôt calme. Hein. Ce soir, normalement, enfin, bon, tout dépend, on a encore toute la route à faire cet après-midi. Ouais. Tout dépend à quelle heure on arrive, autant. On va visualiser déjà nos vidéos, les rushs. Et après, on travaille dessus, quoi, plusieurs fois. Vous voyez un peu le parquet là, ouais. Comment il a sauté là. Ouais, pardon. Mais c'est dans un état. Ça, c'est la chambre bizarre que j'ai. Bah, non, mais on n'est pas venu ici. Hein. Je veux dire, il y a 25 pièces, les amis. Ah bah c'est bah oui non on n'est pas passé là parce que c'est ça que je te parlais en fait, la baignoire. Regardez-moi les gens. Oh, comme c'est beau. On serait pas bien là. Regardez la vue. On l'a même pas vue cette nuit, cette c'est ça que je te parlais en fait. On peut pas la bloquer la fenêtre là pour éviter que ça pète. La vue sur le parc quoi. Voilà. Ça, c'est... On dirait que je suis chez moi. C'est trouble, hein? Oh, purée, ça, c'est bon. La photo de là. Vous êtes perdu, ouais, un peu, ouais. Il y a 25 pièces dans le manoir. Je crois qu'on a raté. Ça se fait pas, mais c'est bizarre comme c'est fait ça. T'as vu? C'est un chauffage. Voilà, bah, quand tu sors de. Quand tu mets tes serviettes, c'est quand même bizarre, j'ai jamais vu ça. Tu sors de la baignoire, nickel. Non, mais c'est chouette, hein, quand même. Regardez. De la baignoire. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Avec le soleil en face. Là, t'as une douche. J'adore derrière. Ces papillons avec les dorés. Ouais, les mosaïques. Les dorés qu'ils ont mis, franchement, c'est trop beau. C'est beau, hein. Trop, trop beau. Ouais, c'est classe, ça, c'est bon, j'aime beaucoup. Ça claque, hein, aujourd'hui. Hein. Donc, je rappelle, l'enquête a été effectuée, hein, c'est bon. Mais, on l'a fait pour une première fois d'ailleurs, c'est une expérience de faire ça le matin, à 5h30 ce matin, voilà. Moi j'aurais bien... si, c'est en bas le petit salon de thé. Ouais, c'est pour ceux qui n'ont pas vu, je remontre le... J'arrête pas de prendre en photo le, mais... Le couloir, l'escalier en colimaçon. C'est mieux de le voir tout en bas, ouais. Je vais vous le montrer. Là, franchement, c'est clair. Je vais remettre ma lumière. Ah, non. Ouais. Attendez, je redescends et je vous montre ça. Ouais, par exemple, tu vois, voilà, moi, ça, franchement. Ouais, ta mère. C'est ta mère, suce des bites. Bah,
Ouais, c'est bien ça. Et ça, il peut l'écrire sur un papier chez lui, quoi. Enfin, en même temps. Je te jure. Ouais, bah, je vais vous montrer ça là. Mais il y a encore un. C'est l'entrée, ça. Normalement, je devrais mettre en bas là. Ça, c'est l'entrée, ça, faut le dire quand même. Ah, là, c'est beau, hein. 8 heures de route, ouais. Pour moi. Après, je suis à 2 heures de chez Émilie. Bonjour, Fernand. Tu vois, là, je pourrais regarder ça pendant des heures, c'est cool. C'est beau, hein. Ouais. Si. Ah, bon ah ben oui, c'est vrai que c'est la cave. Qui est hyper. Ouais, la cave. Peut-être la montrer. Bon, ouais, vite fait. Mais, bon. Mais non. Mais si. Ah, si, c'est qu'on voit de l'autre côté. Il y a pas mal de poussière moustique et de mouches et en tout genre. Hein. Bonjour Marie. Si jamais même vous entendez des choses, hein, n'hésitez ouais. pas les loups, hein, parce qu'on sait pas. C'est pas parce qu'on est du jour qu'il n'y a rien. Ouais, c'est clair, parce que les... Ah, c'est trop, là, voilà. Ah ouais, c'est trop. Non, c'est bon, ça. Ah, mais c'est non, mais c'est pas ça a du mal à... Non, rien à voir. Bah, oui, ça, on n'a pas filmé, ça. Ça, tu peux montrer, ça, tu vois. Tout ce bois-là, ça, c'est un bois qui vient du Mexique. Non, mais sérieux. Regardez ça, là, regardez le bordel. Mais c'est trop dommage de voir ça partout. C'est trop dommage. Voilà, c'est là. D'ailleurs, on a fait la luminosité. Ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. Là, ça fait moins hostile quand même. Hein. C'est beau, hein. Tout ce qui reste comme tapisserie. Ça a abandonné depuis combien de temps? Je sais pas. 35 à peu près, ouais, on va dire 40 ans. 40 ans. Ouais. Salle. Ah oui, voilà ce que je vous disais, les meubles qui sont montés de la même manière. Ouais, à chaque étage. Ça, vous vous retrouvez au voilà. premier, au deuxième, au troisième étage. C'est conçu pareil en fait. On a l'impression d'être au même étage en fait. Et avec la petite salle de bain, voilà, comme ça. Et vous avez ça dans chaque étage. Si on n'a pas dormi, on n'a rien dormi. Et on a 8 heures de route à se taper. Ça va aller. Oui, oui, carrément, je suis contente. Putain, je voulais le faire celui-là. Moi, j'aime ça. Non, mais est-ce que tu te rends compte combien ça, retaper avec les moulures, ça peut coûter cher. Eh ouais. Alors, est-ce que c'est que les gens n'ont pas pu l'embarquer parce que c'était trop lourd ou... Parce que tout a été volé quand même. Hein. Ils le disent. Eh ouais. Regarde-moi ça comme c'est beau cet encadreur là. Trop chouette. Bon, on voit que c'est la salle qui porte en bois. Et ça, c'était le service en fait, c'était l'entrée de service. Parce que bon, bien sûr, hein, c'est un manoir. C'est un manoir. On sait qu'il y a eu les bouffages. Et donc, il y avait l'entrée de service. Et donc, tac, 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 il y avait les clés là. Coucou Lisa. On va vous faire un. Ouais, juste le devant. Et puis après, route. C'est reparti. J'ai pas envie. On avait un orphelinat aussi à faire maintenant. On va rentrer à la maison. Un orphelinat et un autre château. Qui lui aussi était magnifique.
plus grand. Ça, c'est un petit puits. C'est beau avec les feuilles rouges. La cave. Et la cave qui est toute inondée. Tout inondée. Je vais vous montrer vite fait. On va pas tomber dans l'eau. Bah non, quand même. Ouais, mais non, on voit rien. Attends, j'ai mis ma lumière. Ouais, j'ai mis ma lumière. Alors, le devant. Oh là, je me prends dans le fil. C'est vraiment au détail, quoi. Au détail. Et alors, pour ceux qui connaissent, ils l'ont vu en photo, ce manoir, ben, c'est vrai, enfin, moi j'ai trouvé, perso, sur les photos qu'on voit sur internet, il paraît petit, tu sais, avec quelque chose de cossu, de petit. Alors qu'en fait, on arrive en face, oui, le morceau de manoir. C'est impressionnant. Your answer, give them to